Salut tout le monde, c'est parti pour la suite de Final Fantasy VII Rebirth. On continue l'aventure. Prenez ces chocobos. Et au cas où, ça aussi. Merci beaucoup, c'est gentil. Comme pistolet grappin. Complètement en ruine, ça devrait vous servir. Et surtout, soyez prudente. J'ai comme un mauvais pressentiment. Il va arriver quelque chose. Mon intuition me trompe rarement. T'inquiète pas, ça ira. Je te le promets. Les chocobos forestiers de Gongaga. Ah ouais. Elle est super rapide. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est là où il y avait les lapins. Fiole de mystère de la planète. Ah ok. On va suivre le chemin. Confin pollué par la Mako. Ok, on va descendre vite fait. Juste là. Ah, je suis sûr qu'il y a plein de secrets dans cette zone. Et balèze le chocobo. Qu'est-ce que vous faites là? Attrapez-le! C'est pas fini! Ah ah, je vais bien faire ça! Ça sert à rien!
Allez, un petit sort de hâte sur Tifa. Un petit sort de soin sur Tifa. C'est pareil. Acheter, on a quoi? Oh, résurrection. Allez, ça je prends direct. Alors, avant de continuer, équipement materia, Tifa. On va prendre les points de Kaiser. Petit bracelet crocodile. Insérer des matériaux. Glace, foudre et vent, soin, chakra, feu. Et augmenter. On va mettre une résurrection.
ça peut être pas mal, absorption de PV. Ok, on va prendre PM augmenté. Shiva, c'est cool. Eris. Bâton sorcier, amulette de corail doré. Insérer des matérias. On va voir. Alors, j'ai prière, vol, soin, remède, PV augmenté, glace, feu, foudre, vent. Ok, vol, ça dégage. Et on va mettre. Résurrection. Ok, donc on est avec Yuffie. Yuffie, tiens, on va lui mettre Léviathan, Alexandre. Alexandre pour toi. Aigle chasseur. Faudra un bracelet crocodile. Insérer des matérias. On va lui mettre la quoi. PV augmenté, vol, analyse, PM augmenté, chronomancie. Ah, pas grand chose, hein. Résurrection. Faudrait que je lui mette un soin. Soin, PV augmenté, affaiblissement défensif. On va essayer de lui mettre une petite analyse, c'est pas mal. Et comme ça, c'est bon. Je crois qu'on est bien.
Allez. De bêtes légendaires. Ah. Bon, je crois qu'il faut que je vienne. Ok, je crois qu'on est obligé de passer par là. Allez, au revoir. On va quand même vérifier si je l'ai... Ok, ça c'est pris. Par là-haut. Cette frappe déstabilisante. Ok, on a deux endroits. Paire de crocs de tigre, je crois que c'est pour par ici. Tifa, point de Kaiser, Crow. Wow, c'est pas mal ça.
Et un petit PV max et un petit attaque physique. Il manque quoi? Feu, chakra, soin, glace, foudre et vent, résurrection. Il manque pas grand chose. On va peut-être mettre une petite genre protection. C'est quoi annihilation? Protection. Let's go. Super éther. Ok, ici on est bonne. Pas mal ça. Pas mal du tout même. Objet potion. Alors, je vois qu'on a un câble là-bas. Ok, on va essayer de décoincer le câble. Mog, là-bas on a quoi? Ok, ça c'est pour descendre.
Ok. Normalement, c'est bon. Allez les filles, let's go. Sphère Gigong. Compétences, dédoublement. Parce que là, tout va bien. J'ai l'impression qu'elle dit kebab à chaque fois. Allez, au revoir. Ok, on est ici. Ah, il en reste un. Prépare-toi.
Faut un petit sort de soin là. Ok, ça c'est bien. On a des potions. Annihilation, renforcement. Allez, let's go. Bonne meuf. Quand on a mon âge, tu sais, ce genre d'insulte. Traite-moi de vieille autant que tu veux. Tout ce que tu as réussi à faire avec tes invités. C'est une effraction. J'arrive. Prends ça. Ok, compétence, sous étincelant, direct. Je compte sur toi.
petit bouclier de lumière. Non, je veux vous entendre. Un petit sort sur Tifa, merci. Alors, Dom Céleste, go! Allez, bon guérisseur! Ah bien sûr. Un petit dédoublement. Qu'elle me prépare. Me revoilà. Elle commence à m'énerver. Ah, vous croyez pouvoir vous échapper?
Ah, ça... Fallait s'y attendre. Ok, un petit sort extra soin sur Aeris. Petit sort de vis sur Tifa. Tendance. C'est Iron Woman. Okay. Tu peux rien faire. Qui que ça soit sur Yuffie. Vous devriez me supplier. Faire gaffe quand même. Ok.
pas de faiblesse. Go. Une petite invocation, Shiva. Non, on va tester la nouvelle invocation. Pas mis d'invocation pour Yuffie. C'est chelou ça. Pas grave. On a invoqué Shiva. Aéris. Normalement, elle est dead. Ah
Elle va pas crever, hein. Son ange grand guérisseur. Ok, allez, t'y vas. Ne te laisse pas avoir, Cloud.
pas de cicatrice. Comment peut-elle être la vraie Tifa? La vraie Tifa. Encore? T'as vu la cicatrice? Je te l'ai montré l'autre jour. Il n'y en avait pas. Mais si, regarde. Genova autrefois se transformait. Elle prenait l'aspect de ce qu'on aime ou qu'on craint pour nous tromper. On a perdu Cloud. On a perdu Tifa. Tifa? Tifa. Tifa. Maman. Tifa, par ici. Tifa, dépêche-toi. Tifa, viens jouer avec nous. Il y en a d'autres. Une arme. On a des fileurs noirs, des fileurs blancs. Les fileurs.
Ils se battent entre eux. Mais... on est où ? La rivière de la vie. La maison de Tifa, de Cloud. Je vais aller retrouver ma mère. D'accord, alors je vais t'accompagner. Moi aussi. On va traverser le mont Nibel tous ensemble. Ok. Merci. Regardez, il y a Cloud qui veut nous suivre. Cloud ? Tifa, on y va! Cloud, est-ce que je vais mourir? Dis, promets-moi un truc. Plus tard, quand tu seras devenu très célèbre, si jamais j'ai de gros problèmes, j'aimerais que tu viennes m'aider. Hein ? C'est ce que font les héros. Ils arrivent quand tout semble perdu. J'aimerais vivre ça, ne serait-ce qu'une seule fois. Je m'en souviens, comme si c'était hier. La musique, elle est stylée.
Tifa, tiens bon. N'aie pas peur. Sois forte. Survie. Tu peux le faire. Oui, tu dois avoir foi en toi. Relève-toi, Tifa. Fais-le pour nous, ainsi que pour tous les autres à qui tu dois la vie. Tifa ! Tifa, notre combat n'est pas encore terminé. Bah t'as déconné, Cloud. C'est pas vrai. On n'y voit rien du tout. Bah les monstres, c'est nos potes. Hey, Tifa, reste avec nous. De retour au village. Je vais chercher les autres. Cloud. Quand on était petit, on nous disait que les morts traversaient le mont Nibel. Tu te souviens ? Ouais.
Une ruse des parents pour dissuader les enfants d'aller dans la montagne. Mais toi, t'y croyais, n'est-ce pas? J'étais très sceptique, moi aussi. Mais bon, je me forçais à y croire. J'espérais tant pouvoir retrouver ma mère. Emilio et les autres disaient qu'ils m'aideraient. Alors on a bravé le danger. Et puis, ils sont rentrés au village en te laissant là-bas. Oui, apparemment. Tu t'en souviens pas, c'est ça? Quand je suis tombée de la falaise, je me suis cognée la tête. Il y avait une période de 6 mois dans ma mémoire qui était plus tout à fait claire. Les autres m'ont dit comment ça s'était passé et certains détails m'ont surprise. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Que c'était toi qui m'avais incité. Mais là, ça m'est revenu. Je sais maintenant que t'avais volé à mon secours. Merci, Cloud. Ce jour-là, pour moi, t'étais un héros. Je mérite pas tant d'éloges. Ce jour-là, je suis tombé de la falaise avec toi. Mais là, je t'ai poussé dans le réservoir. Il y a des fois où je sais plus trop qui je suis. J'ai l'impression d'avoir oublié des choses évidentes. Mais il y a des trucs que je suis pas censé savoir. C'est comme si j'avais plusieurs personnalités. Et je sais pas du tout laquelle est la vraie. C'est déstabilisant. Ouais. Les cellules des soldats dégénèrent. Je crois que c'est ce qui est en train de m'arriver. D'un coup. Brutalement. T'inquiète pas, ça va aller. Cette fois-ci, c'est moi qui vais te protéger. Vous vous inquiétiez? Désolée. Elle est pas mal, cette chambre. Tais-toi! La puce! Ok. Histoire principale, analyse de la situation. On va s'arrêter ici. La suite au prochain épisode. Donc merci de m'avoir suivi. Moi je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien et ciao tout le monde.